on pourrait pas s'entendre, mais c'est un très bon ami à moi et ça le restera. On a gardé très très bon contact et c'est ça le principal. Mais il pourra jamais rien se passer entre vous. Bah, on reste amis et ça c'est, voilà, c'est la plus belle des amitiés. Oui, mais vous avez envie, hein, Anthony. Quand même. C'est la princesse. C'est la princesse de mon cœur, je n'oublierai jamais. Oui, d'accord, et mais s'il se passe quelque chose, vous aimeriez toujours, non? Ah, bah bien sûr. Et Marie, vous n'avez aucune chance? Ben non. Pour casser les dents de la tain au tulle, elle vous attaque plus. Ouais. Bah non, quoi, surtout. Elle peut plus vous mordre. C'est par les dents que le poison est injecté. Ah ouais, c'est comme le Jean-Marc Morandini, alors, en fait. Exactement. Il y en a pour plus de 5000 euros. Et à ses yeux, certains jeux ont même une valeur bien plus grande. Le petit côté sympa de ma collection, c'est que j'ai enfin trouvé mon jeu un peu collector, Super Protector Alien Rebelle, et c'est le jeu que je voudrais me faire en tirer avec quand je serai mort, en fait, pour avoir un jeu enfin à côté de moi, quand même dans la mort, j'aurai le jeu vidéo en moi. Le président du tourisme local grince sur le site de Sud-Ouest. Il dit, on espère trouver autre chose, hein, des enfants au bord de l'océan, le Fort Boyard, des images du département, pas seulement des danseuses qui se dandinent. Eh bien, exaucé, le réalisateur de ce bijou, Franck Lécole, promet qu'il va tourner de nouvelles séquences sans, je le cite, les filles qui bougent leur cul. Vous en faites un cadeau, une Rolex? Regarde. Oh là là. Mais c'est une fosse. Ah. 9 euros. Mais en fait, c'est punissable de prison, ça, Jacques. Ah oui, je touche plus. Je n'avais jamais eu, en plus. Non, mais c'est punissable de prison, ça, vous savez. De porter une fausse montre. Saute sur ta souris, clique sur un autre zapping et abonne-toi à la chaîne.